Salut tout le monde, salut tout le monde. C'est Nas Actu. J'espère que vous allez bien. Et là, grosse news. Mila Jasmine vient de se marier aux Seychelles avec Lorenzo. Comme on peut voir les bagues ici. Et on va voir aussi la réaction de. Elle en a très peu parlé, Mila. Et on va voir aussi la réaction de Magali Berda dans sa C'est une story. femme. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et après, je vous dirai mon avis. Incroyable. Je ne sais pas si vous réalisez que Mila est partie se marier en secret. C'est-à-dire que Mila, elle est partie aux Seychelles en faisant croire qu'elle faisait un week-end en amoureux. Et elle a dit à personne qu'elle allait se marier. Mais elle a trop raison. Elle a dû kiffer son mariage. Incroyable. Mais c'est incroyable. Franchement, je suis trop heureuse pour elle. Vraiment, du fond du cœur, je suis très heureuse. Voilà, Mila, c'est mon amie. Vous savez que voilà, elle est avec moi depuis mes tout débuts. Quand j'ai créé Shawn Evans, j'avais Mila. Et aujourd'hui, c'est une femme mariée. Voilà, donc je suis trop fière d'elle. Voilà, trop heureuse de son évolution. Et ça me fait trop, trop plaisir. Mais si quand tu rentres, on peut faire une fête, ça serait cool à Paris. Parce que j'aimerais bien fêter ton mariage avec toi. Je suis choquée. Donc félicitations. Après, je vous dirai mon avis. Je crois que c'est tout pour la story. Choisir une drogue. La journée a été longue. Nous avons fait un mariage civil et Bon, nous avons aussi fait un halal, mariage religieux. Que Dieu bénisse ce jour. Merci pour mes tout. chats. Merci pour tous vos messages. Bon, mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, super, super. Dans ma nouvelle vie, mon nouveau départ, je suis vraiment très très heureuse. Merci pour tous les messages d'amour, de soutien, de commentaires que j'ai reçus. C'est pour ça que ces derniers temps, bah, j'étais pas vraiment active sur les réseaux sociaux, puisque un mariage, ça s'organise. Comme vous avez pu le voir, bah, voilà, ça prend des semaines, voire des mois. Pour moi, c'est vraiment un rêve, on va dire, qui se réalise et surtout bah, m'unir avec la personne que j'aime. Je sais que la plupart. Des gens, des influenceurs, ils étaient choqués parce que franchement, ça a été dur de garder le secret. Magali, elle croyait que je partais en week-end en amoureux. Laura, pareil, elle me disait c'est quand qu'on se voit, on se voit le week-end d'après. Je lui disais non, je peux pas, je pars en week-end et tout. Donc voilà, là où il y a la controverse dans ce mariage, c'est que Lorenzo, il était marié à une femme qui s'en est plaint, voilà, qui a un Instagram, tout ça, qui s'est lancé un peu dans le monde des influenceuses. Après, donc Lorenzo, il était marié et il avait trois enfants quand il s'est mis en relation avec Mila, c'est-à-dire qu'il a trompé la mère de ses trois enfants. Donc, ça a été très controversé. Après, Mila, elle s'est justifiée en disant qu'elle n'était pas au courant que c'est Lorenzo qui lui a menti, qu'elle ne savait pas que Lorenzo était marié et avait trois enfants. Du coup, après, le bruit a couru et la femme de Lorenzo s'en est rendue compte. Donc, ils se sont disputés, ils se sont séparés. Et Lorenzo, finalement, s'est remis avec Mila et aujourd'hui, ils se sont mariés. Voilà, la controverse, elle est plutôt là-dedans. Et aussi sur le fait que Mila est assez célèbre dans le monde des influenceuses de la télé-réalité. Tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Actu.